travail, la discrimination dont les uns et les autres sont victimes. Je vous parlais, et mes confrères et les confrères vont parler il y a quelques instants, de crimes et de délits qui avaient été commis à raison de... Bonjour. Un petit peu une démarche qui a abouti à un certain fatalisme, parce que au pays des droits de l'homme, devoir constituer une telle association, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être le lot de la France. Mais le constat est tellement amer, triste, mais aussi réaliste, qu'il a fallu que cette communauté... Nous sommes profondément républicains, et je vous dis, je pense sincèrement, dans ce pays qui est le nôtre, la France, il y a quoi faire. Nous opposer, ça ne sera pas ça, jamais, je n'accepterai pas qu'on nous oppose Pierre-Paul Jacques. La preuve, ce soir, j'ai demandé à un meilleur ami, mon ami, du CRIF, d'être présent, il est là, un geste fort, comme quoi nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Nous sommes les enfants de la République, je vous le dis, nous sommes les enfants de la République, et tous, moi, je suis, et je cautionnerai toujours, mon ami, d'accord, ou d'autres. J'ai eu de problème avec personne. En Israël. Ah. Non, j'ai aucun problème. Alors, ça, je n'accepte pas. Non. L'union fait la force, c'est pas l'opposition qui fait la force. Alors, je suis heureux d'être là ce soir, je pense bien qu'en France, nous avons à vivre ensemble, quelque chose sur nos origines, nous sommes des républicains. Je suis aujourd'hui. Pas en tant que CRIF, en tant que député de la République, je suis ici et je considère qu'il est indispensable aujourd'hui d'éradiquer tout ce qui est racisme, de respecter les lois de la République, de vivre ensemble en respectant ce qui nous rapproche. Je suis venu pour toi, Farid, je m'ai demandé de venir pour être à tes côtés aujourd'hui. Je suis à tes côtés, je ne connais pas vraiment encore l'association, mais je sais qu'il y a des gens bien, je connais des bons amis, des garçons qui ont plein de tolérance. Et bon, je suis heureux de vous rejoindre. Merci.